Ouais, ça va, j'arrive. Oh là là là, toujours comme ça, mettre la pression, c'est relou, à force, c'est relou. Bonjour. Quoi, moi en retard? Comme si j'étais en retard. Je suis jamais arrivé en retard à l'école et vous me dites que j'arrive en retard. Quoi? En retard pour la mage aussi? Bon, en fait, vous avez raison. Donc, c'est parti! Vous l'avez compris, je suis un petit peu en retard sur la mise à jour, mais ce n'est pas bien grave. Alors, cette mise à jour, elle consiste en quoi? Eh bien, il y a des nouveaux élèves qui ont été ajoutés dans l'école, les élèves du club de photographie. Vous avez déjà montré une mise à jour où ils avaient énormément modifié le club de photographie. Et bien là, il était temps d'avoir enfin les élèves du club. Ils sont donc présents, on va directement aller les voir. Il y a de plus en plus d'élèves entre le groupe de chant ici, entre les délinquants et maintenant les membres du club de photographie qui sont juste là. On voit déjà le chef du club avec son petit brassard. J'ai bien évidemment directement prendre leur information et voir un petit peu comment ils s'appellent. En tout cas, je trouve ça génial d'avoir encore des nouveaux élèves et d'avoir enfin un vrai club de photographie qu'on pourra sûrement rejoindre. Alors, Furedo, Junzu, personnalité Slus. J'ai été voir sur internet ce que voulait dire Sluff, c'est genre en gros personnalité détective. J'aurais jamais cru que c'était ça, mais bon, apparemment c'est ça. Crush, il n'y en a pas. Club photographie, self-défense, apparemment il est fort. Après, c'est un petit peu le chef du club, donc voilà, je pense que ça joue. Et sa description, c'est le chef du club de photographie, il est intéressé par la photographie, il utilise le club room, donc j'imagine le club, pour lire des mangas, manger des snacks et être avec ses amis. Alors, il aime passer du temps à rien faire, je crois que c'est ça. Mais quand il s'agit de quelque chose de sérieux, il essaye de résoudre. De façon pro, on va dire, de façon sérieuse. Voilà, il a un côté en gros un petit peu flemmard qui aime bien chiller, mais aussi un côté sérieux quand il le faut. Tout ce qui touche à la photographie, etc., détective, tout ça. Donc en gros, voilà, c'est à peu près la personnalité de Furedo. Alors, toi, qui es-tu? On va voir directement qui tu es. Elle, c'est Beruma Dinkuri. Ok, personnalité détective aussi. Crush, on n'a pas. Club photographie, bien évidemment. Self-défense. Il est incapable de se défendre. Alors, c'est une fille super intelligente qui travaille ardemment. C'est l'une des plus intelligentes de l'école en gros. Elle est tellement obsédée par les études qu'elle en oublie carrément de prendre soin d'elle. Ça veut dire qu'en gros, cette fille-là, peut-être qu'elle sent mauvais. Voilà, hein, elle prend pas soin d'elle, bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ses défauts sont complétés par sa meilleure amie, Dafuni Bureku, et vice-versa. Donc, ce qui veut donc dire qu'à mon avis, elles ont rien au commun. Bah justement, on va essayer de trouver sa copine, Dafuni. Est-ce que c'est toi? Hop, avec tes beaux yeux verts. Là, elle est très très mignonne, celle-là. Hein. Hop, ok, j'ai réussi à prendre une photo d'elle. Alors, voyons voir. Dafuni Bureku, c'est bien elle. Personnalité détective, pas de crush, incapable de se défendre. Alors en gros on nous dit qu'elle a vécu avec des servantes, des majordomes, qu'elle est très attachée à son apparence, ses vêtements, etc. Donc elle est un petit peu, pas narcissique, mais elle aime bien prendre soin d'elle en tout cas. Donc vous voyez un petit peu le type de fixe. Elle a rencontré toute petite Beruma Dinkuri et elles sont devenues en gros meilleures amies, inséparables, même si elles sont complètement différentes. Ok, bah ça rejoint un petit peu la description du coup de Beruma. Ok, on a presque fait tout le tour, on a fait le chef, les deux filles là, et il reste encore normalement deux élèves, je crois, dans le groupe. Ok, là-bas. Ok, il est ici. Alors, toi, mon pote, tu es qui? Toi, tu es Scooby-Doo-Bidou. Attends, en Scooby-Doo-Bidou. Ça me fait trop penser à Scooby-Doo-Bidou. Ouais, ça me fait penser à ça. Personnalité détective, club photographie, incapable de se défendre. Alors, il adore manger des snacks en classe. En gros, c'est quelqu'un de super chill, de super posé. Mais ce n'est pas une méchante personne. Donc, c'est un peu le mec. Ouais, moi, je veux pas de problème, les gars. Relax, relax, no pression. Vous voyez le genre de personne que c'est. Il est meilleur ami avec Rojazu Norobiru et partage les mêmes traits de personnalité avec lui. Et on nous dit aussi qu'il est très protecteur avec ses amis. Et ben, j'aime plutôt bien sa personnalité. Voilà. Il est vraiment tranquille et tout. Et en plus de ça, il a un côté protecteur. Donc ça, c'est top. Ok, bon, on a fait le tour de Scooby-Doo-Bido. Normalement, il ne reste plus qu'un seul élève. Ah, bah, c'est lui, non? Attends, avec un petit appareil photo. Oui, c'est lui, regardez. Ok, j'ai réussi à prendre une photo. Rojazu Norobiru, le meilleur pote du coup de Scooby-Doo-Bido. Personnalité détective, pas de crush, club photographie. Il est incapable de se défendre. Et sa description? Bah là, c'est à peu près la même description que Scooby-Doo-Bido. On nous dit que voilà, c'est aussi quelqu'un de très posé, d'assez relax, voire paresseux. Il est très protecteur avec ses amis. Et si jamais ils sont en danger, et bah il n'hésitera pas à aller les protéger. Donc voilà, en gros, ça rejoint parfaitement Scooby-Doo. Ils l'ont dit de façon dans la description de Scooby-Doo qu'ils avaient des traits de caractère très proches, voire très similaires. Pour le coup, c'est vraiment similaire en effet. Et donc, on a fait le tour de tous ces élèves-là. Mais ce n'est pas tout. Ils ont bien évidemment une sorte de routine et ils peuvent faire des choses. Et ces choses-là, elles varient en fonction de l'atmosphère de l'école. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu le temps pour pouvoir les suivre et les voir dans leur club. Club qui est juste ici. Alors, vous êtes posé ou pas les potes? Ouais, ils sont posés dans leur salle ici.
Yes, yeah, stylé. Comme on peut le voir ici, il y a des chips, donc ils sont vraiment posés, ils sont en train de discuter, ils ont l'air d'être plutôt joyeux pour l'instant, en même temps l'atmosphère est nickel. Parce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tuer ma petite Midori d'amour. Voilà, vous savez bien, bien évidemment, si je la tue, c'est parce que je l'aime, hein, bien évidemment. Du coup, ma petite Midori, hop, ah mince, j'ai oublié d'augmenter ma force, donc je pourrais pas la porter à bras. Je vais essayer de la faire ramper et d'aller l'emmener au club de photographie pour qu'il puisse voir bah, le corps justement. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer par la suite. Personne ne m'a vu. Hop, je mets le corps juste là. Je vais fermer ça en fait. Tac. Je vais la rapprocher un tout petit peu. Voilà, je la rapproche. On sait pas que c'est moi normalement. On sait pas que c'est moi. Je pense pas qu'on m'ait vu. Bref, si on m'a vu, bah je sais pas ce qui va se passer. On le verra de toute façon. Je me souviens pas qu'il y avait des tables ici sur le toit. D'accord, très bien. Ni même ces cubes, ça me dit rien. Ou alors j'ai complètement zappé les cubes. Ce qui est possible en soi. Hein. Je pense qu'ils m'ont vu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mon petit Fritty et il va bien évidemment m'aider à enlever toute l'épreuve. Donc je vais me faire pardonner. Voilà, je me suis fait pardonner. Et maintenant, ce qu'on va faire, tac, on va faire fin de journée. J'ai dit fin de journée, je me suis trompé. Hop, voilà, on avance, on avance, on avance. Tout le monde a l'air d'être agité, je sais pas pourquoi. Donc en gros, ils ont trouvé un corps, la police arrive, blablabla. En gros, je ne me fais pas arrêter grâce à mon petit Fritty d'amour qui m'a bien évidemment aidé. La nuit est tombée, on va piéter un petit coup, tac tac tac, rompu rompu, on dort, on fait de beaux rêves et on est reparti pour une nouvelle journée. Et là déjà, on peut voir que l'atmosphère a diminué de 10% et on va pouvoir observer un petit peu la réaction des élèves du club de photographie. Alors je ne suis pas sûr qu'ils m'ont vu, on le verra tout de suite parce que logiquement, d'après ce que j'ai compris, si ils nous voient tuer quelqu'un, ils vont bah, venir près moi, tu vois. Alors, ils sont là. Ah, pour l'instant, ils ont pas l'air de me suspecter, mais on peut voir à leur comportement qu'ils sont complètement différents. Là, ils sont plus joyeux, ils sont vraiment en mode ouais, trouvons des indices, des preuves, etc. Qui parmi tous les élèves est le fameux criminel? Enfin, bref, on voit que leur comportement est complètement différent. Donc, ils m'ont pas vu, ils ont juste vu le corps, mais ils ne m'ont pas vu. En même temps, à travers un rideau, c'est un petit peu compliqué quand même. Et bah, tant mieux. Là, je vous ai montré un peu le premier stade. Il y a bien évidemment d'autres stades. Si on change l'atmosphère grâce au debug menu, hein, c'est vachement plus simple, on va changer l'atmosphère, on va voir que leur comportement va encore changer, bien évidemment. L'atmosphère est plus pesant et observons un petit peu leur comportement. Ils ont toujours le même comportement, sauf qu'ils ont quand même une petite routine. Je pense qu'à ce stade-là, normalement, ils vont commencer à aller suspecter les élèves et tourner un petit peu autour d'eux. Je ne suis pas sûr. Hein. Ok, reste bloqué là. Ok, ok, attends, qu'est-ce qu'ils font? Oui, voilà, c'est ça. Ils vont tous à la fontaine. Et là, vous avez vu, ils commencent un petit peu à se balader autour des élèves. Enfin, pas vraiment, ils ont l'air d'être un peu buggés là. Pourquoi est-ce qu'ils font des allers-retours? Qu'est-ce qu'ils font? Vous faites quoi là, les gars? Est-ce que c'est moi qui vous gêne? Tu vois, voilà, ils tournent autour des élèves. Ouais, donc en gros, ils font un petit peu le tour de toute l'école. Ils passent à côté des élèves. Mais vu cette vitesse-là, les potes, je veux pas dire, mais ça va être un petit peu compliqué de trouver des preuves. Hein. Les mecs, ils passent 2 secondes, genre, c'est bon, ils ont checké l'élève. Voilà, enfin bref, ils vont un petit peu trop vite, je trouve. Mais de toute façon, on était là pour observer un petit peu leur comportement. Donc voilà, ils sont en train de courir absolument partout. Maintenant, si on change encore l'atmosphère, normalement, là, je pense que ça va être l'atmosphère le plus bas. On va voir s'ils réagissent autrement. Je sais pas s'il y a encore un stade au-dessus. Bon, l'atmosphère là, vous le remarquez, il est très 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 bas. Il est encore plus pesant. Voyons voir ce qu'ils font. Alors, ils sont là, ils continuent de faire pareil. Je vais aller voir dans le club de photographie s'il y a eu du changement. Que comme c'est des détectives, ils sont censés justement avoir des preuves, etc. Enfin, ils font pas tout ça pour rien quoi. Alors, voyons voir ce qu'il y a changé. Oh, génial, on a carrément genre une sorte de, pas de scène de crime, enfin si c'est une scène de crime, mais j'imagine une scène de crime qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est super stylé. Ici sur le corkboard, bah, on voit plein de photos, photos d'un petit peu tout le monde. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que les photos étaient déjà présentes avant, non? Enfin même dans l'autre mise à jour, la mise à jour précédente, je suis pas sûr. Ce qu'on va faire maintenant, ils arrêtent pas de me suivre, hein. Je pense qu'ils ont cramé que c'était moi, hein. Ils m'ont vu en fait finalement. Je vais aller près de Fritty ici, je vais prendre un petit couteau que je vais ranger bien évidemment, hein, pour la discrétion c'est important. Je vais voir si je peux parler à un des élèves, mais ils arrêtent pas de fuir en fait, j'arriverai jamais à leur parler, à moins que... Talk to me. Non, ils savent en fait, ils savent que c'est moi, et c'est pour ça qu'ils arrêtent pas de courir comme ça, partout, de partir. Mais en gros, voilà, on a un peu prévu tous les comportements différents. Là, je sais pas s'ils tournaient autour des élèves, mais logiquement, en gros, s'ils savent pas que c'est moi, ils vont juste tourner autour des élèves pour aller essayer de trouver des preuves. Mais là, ils savent que c'est moi. C'est marrant parce que je suis intouchable pour le coup. Eux, ils savent, mais ils ont absolument aucune preuve pour prouver que c'est moi. Et bah, les amis, c'était une mise à jour super sympathique. C'est donc ici qu'on va se laisser. Je suis super content qu'il y ait des nouveaux élèves. Ça fait du bien d'avoir des nouveautés. Ça fait toujours un petit peu de fraîcheur.
fraîcheur, ça rafraîchit le jeu. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parmi tous les membres du club de photographie quel est votre membre préféré. Moi je dirais que c'est la fille, un petit peu mignonne et tout, celle qui avait des majordomes, etc. Je la trouve super mignonne. Donc de tous les élèves, c'est elle que je préfère. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était votre Fritos, on se retrouvera très vite pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et je sais, pour les mages, je suis sérieux, c'est rare de me voir sérieux. Bref, bye bye tout le monde.